Trois mois après, le 30 août, Jean Tirpitz effectuait des tournées républicaines, pour dire des tournées explicatives avec le peuple. Cette activité a pour but d'enregistrer les attentes du peuple gabonais, mais aussi de faire connaître ma vision pragmatique de la transition. La vision du comité de transition pour la restauration des institutions. Amorcé dans le maritime et dans l'ennui, ce périple me conduit aujourd'hui sur mes terres du Wolentem. Que je viens de fouler avec un sentiment de fierté, de gravité et surtout d'appartenance. À cet effet, je voudrais vous dire combien mon émotion est grande, combien ma joie est immense. Je suis dans cette province à trois titres. Un, en tant que libérateur de la nation, avec mes collègues CDRI, mes compagnons de lutte. Deux, en tant que président de la République, président en transition, chef de l'État. Mais surtout, en tant que fils d'OIM, autochtone, en tant que fils d'OIM, autochtone, du canton Bissau, du secteur Wélé Agnès, du village Onkoum Yéhoui, et de la ville Yéhoui, d'être président de la transition pour construire ici à Oyem. J'ai construit à Oyem des Yaoundas canadiens sur le terrain de mon père Néma Oyem de l'Ambert. J'ai aussi construit à Oyem sur le boulevard que vous connaissez, sur un terrain qui m'a été donné par André Baobab. Et j'ai construit ma maison. C'est dire que je ne suis pas un étranger. Je ne suis pas un étranger qui arrive chez vous. Je joue à domicile. Sur le stade à Guantan, où l'USO n'a jamais perdu. Ici, c'est chez moi. Ici, c'est chez moi. Le Wolentem, c'est chez moi. L'Ontem, c'est chez moi. Mimbou, c'est chez moi. Mindi Deshe, Memne Deshe. Je suis bien ici, monsieur le Premier ministre. Nous sommes tous chez nous.
Je vous suis sincèrement reconnaissant de l'accueil mémorable et saisissante qui m'est offert sur cette terre. Je suis touché par cette forte et inédite mobilisation. Je suis ému. C'est comme ça qu'on accueille un fils du village. Mais je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec une équipe et que j'appelle la Dream Team. Cette équipe qui m'accompagne dans ce combat, j'ai cité mon père et mon aîné, le premier ministre Raymond Sima, aussi présent. J'ai cité Monsieur Dieudonné Abba Oholo, président de la Cour constitutionnelle. J'ai cité le ministre Charles Mba, ministre du Budget. J'ai cité également mon frère d'armes, le colonel Tossu, ministre des Eaux et Forêts. Et pour la petite histoire, c'est mon promo. Quand il y a la Saint-Cyr, je partais à l'Académie au Maroc. Et on a fait des chemins ensemble. Et ce jour, je peux vous dire que j'ai reconnu la force d'invitation le 30 août. Quand je l'ai fixé dans les yeux et j'ai demandé, promo, qu'est-ce que tu en penses? Il dit, on pense, on y va. C'était un guerrier. C'était un dit fils héritier d'un combat que nous sommes. Et ce jour, on a avancé, sans savoir comment était l'issue. S'il fallait choisir la partie ou la mort, on s'est dit qu'il faut mourir pour la partie. Et il m'a dit, général, je n'attends que ça. On mange le maïs. J'ai aussi avec moi dans cette équipe Ludovic Meignet-Dom, le ministre de l'Habitat ici présent. Mais ils ne sont pas seuls. Dans une équipe, il faut aussi avoir des lieutenants, les hommes de terrain. Et comme hommes de terrain, j'ai M. Jean-Gaston Toutoumaï de la Lettre. J'ai Ernest Ndongema, DG des hydrocarbures, qui me vient de Houston. Je suis allé le chercher aux États-Unis. Il parlait de cet ingénieur dans le pétrole. Et comme notre économie repose sur le pétrole, je me suis dit, mais ces anciennes équipes-là, ils nous ont beaucoup pris de l'argent dans le pétrole. On n'est pas dévoilé. Et je suis allé à Houston le chercher. Il était marié, il vivait là-bas dans le pétrole. J'ai dit, petit frère, j'ai besoin de toi. Même si on te paye des milliards à Houston, viens sauver la patrie. Viens réaliser l'industrie pétrolière. Et c'est son défi. Je l'ai également inscrit le pétrole au Gabonais. Donc il sait ce qu'on se dit tous les jours. Et je crois en lui.
J'ai aussi mon propre petit frère, celui qui a fait beaucoup d'études, 1000 diplômes. Il est comme Jacqueline Toutou-Mémane. Il est à l'école, l'homme des 1000 diplômes. C'est Aurélien Guémar-Missa, le DG du budget. J'ai aussi celui que j'affectionne, c'est Jean-Christophe Kourounou, le nouveau maire de Vienne. Dans la même équipe, il y en a qui aiment écrire, rédiger, faire des lettres, filmer. C'est Téléphore Gomo. Téléphore Gomo, qui est mon conseiller en communication. Mais je n'oublie pas le plus charmant aussi d'entre eux et que j'affectionne depuis. Les gens pensent que nous sommes connus aujourd'hui. Non, mais je le connais depuis fort longtemps. Depuis l'époque de Fantomas, Béhéle Frédéric, parce que j'ai appris avec le petit frère de Fantomas aussi. Et je connaissais celui que vous avez vu le gym, Okulu. C'est lui. C'est M. Bertrand Zili. Je me souviens de nos discussions quand j'allais à la prison centrale, lorsqu'on me demandait d'aller me charter. On échangeait. Et il me disait, Oligui, tu as tout. Voiture, tu as maison, tu as construit. Tu es au sommet de ta carrière. Qu'est-ce que tu attends? Pourquoi tu nous fais engraisser cela? Et je lui disais, le fils d'Akoumba sera de retour un jour. Sois patient. Le jour est arrivé. Mais j'ai aussi une autre dream team. Je suis quelqu'un, j'ai plusieurs bouches. Quand tu m'attrapes ici, je suis là-bas. Quand je peux le contourner, je le contourne. Jusqu'aux États-Unis, j'ai la dignité. Je n'oublie pas l'ami à Washington. Il sait ce qu'on s'est dit ce jour-là en prison. Et il sait. Petit frère, fais ce que je te demande. Les choses iront mieux demain. En tous autant que vous êtes la famille. Je vous écoute et je vous suis. Mais en venant en Yen, je ne suis pas venu seul. Je suis venu aussi avec un nom, un ennemi. Monsieur Onoussa, ici présent. Alors, pour la petite histoire, j'aime bien les histoires. Et je vais vous raconter l'une d'entre elles. C'est l'histoire d'un homme et d'un neveu qui vont à la chasse sans se connaître, dans la même forêt, pour chasser le sanglier. L'homme est animé avec ses amis de la terre 23. Il chasse, il chasse, il chasse. Ils mettent des filets. Et au final, le gibier s'échappe du filet. Et le gibier est dans la nature. Et le neveu, dans la même forêt, ne se rendant pas compte, ne sachant pas que l'oncle est en train de chasser le même gibier, lui aussi se met à la course de ce gibier. Il prend son arme et tue le gibier. Et l'oncle arrive, il dit non, c'est mon gibier, c'est ma victoire. Et là, je
de lui, mais l'homme, c'est votre gilet. Avec quoi l'avez-vous tué? Avec la parole, avec la politique, avec la charge. J'ai dit, mais mon homme, le même gilet avec la parole, André Bobal l'a poursuivi en 2009, il n'a pas pu le tuer. Ping l'a chassé en 2016, il n'a pas pu le tuer. Il vient de s'échapper de vos filets. Nous, on vient de le tuer. Laissez-moi apporter le jugement au village et puis après, on va se partager. Et voilà comment le jugement arrive au village. Et nous sommes tous là présents, il faut se partager cette liberté. Il faut s'aimer. Il faut se dire bonjour. Et je dis au grand frère, voilà, en 42 ans, en 14 ans, pour vous suivre le gilet, il a fallu comprendre que la charge, la politique, ne pouvait plus tuer ce gilet. Parce que si on dépassait la date du 30 août, la tour des Pises allait valider et vous ne mourrez pas de le contraire. Et les instances internationales ou sous-régionales qui nous suspendent aujourd'hui devaient cautionner. Et on serait dans une marche de sang où l'armée est en train de tuer le peuple. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Laisse-nous les militaires savourer notre victoire. On a mis le GIO au village et on va se partager. Chacun à sa part. C'est comme on dit, quand un enfant du village va à la chasse, c'est la même gilet, c'est pour tout le monde. Et donc, dès cet instant, 10 sous, c'est 10 sous. On a pris la décision de 10 sous, cette élection, parce qu'il n'y avait pas d'issue. Il n'y a pas de comptage de voix, il n'y a pas de bulletin, tout était tronqué, bipé. On aurait peut-être envoyé quelques experts venus d'ailleurs, comme en 2016, dit il faut le compter des voix, bon, les experts de telle organisation. Et on dit bon, on a gagné, la victoire continue, et vous serez restés perdants. Ce qu'on a fait, c'est pour vous. J'ai aussi quelqu'un que j'aime beaucoup, le Saint-Mon Frère. C'est Marc Bonnard qui m'accompagne dans ce combat. Je le dis beaucoup. Et merci pour ce qu'il fait pour le gouvernement international. C'est quelqu'un à féliciter. Mais je ne suis pas aussi venu seul. J'ai amené aussi un homme qui vient peut-être un peu du sud, d'autre bout de quoi, je ne sais pas, de Mouni, qui a été enseigné par M. Nima Bébé Volontaire, qui était son maître d'école en Mouni. Et cet homme a grandi également dans le pouvoir. Il connaît. Et c'est un bâtisseur. Et que j'ai beaucoup d'affection quand je regarde, c'est le général Tonnerre ici présent. Idriss Gami, que vous connaissez. Parce que tout à l'heure, on m'avait parlé, oui, il faut garder, pas ça, pas ça, il faut conserver. Mais lui, il a le secret de la conservation. C'est les gens qui ont conservé les 42 ans. Mauvais, mal, pire, ils savent conserver. Je l'ai amené pour échanger avec le maire. Tout ce qui veut le saluer, ainsi de suite. Mais il faut avoir les secrets de la conservation. Et il sait comment il conserve ces choses-là. Monsieur le Premier ministre, prenez la peine d'échanger avec lui sur la conservation. Il sait comment durer. Il a la durée. Et aussi, c'est un fin bâtisseur. Parce qu'en Mouni, il a créé une association qu'on appelle Choumou. Et c'est cette association
nation qui a fait aujourd'hui la ville de Mouni de ce qu'elle est. Même si l'argent venait un peu d'ailleurs, et un jour il a dit, si j'étais voleur, je serais milliardaire aujourd'hui parce que je n'aurais pas construit une maison. Et il sait quel mécanisme il a dû aborder, comment il a fait pour essayer de construire la ville, pour la rendre plus belle, pour mettre le gouvernement. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup essayé. Et j'invite le premier ministre d'échanger avec lui. Et également le maire de Yen, de voir comment il faut répartir la ville, comment il faut reconstruire la ville. Ça y est, bon. Quand j'étais à l'ISM, on avait une association qu'on appelait aux Angougas. C'était l'association des jeunes filles et fils qui sortaient du Nord. Mais j'espère que vous avez également cette association ici. Lui, il saura comment vivre, comment travailler dans cette association avec le pouvoir pour que le pouvoir puisse vous dégager un certain nombre de fonds pour bâtir la ville. C'est la raison pour laquelle je l'ai mis. Mais je tiens aussi à vous dire que tous les amis du roi ne sont pas à la cour du roi. Il y a des lieux dans le régime qu'on ne voit pas. Ils sont nombreux parmi vous, parmi tous ces jeunes qui sont ici, qui sont des hommes et des femmes, des hommes de confiance pour le CDRI et des hommes de confiance que j'affectionne. Ils sont tous là. Quel que soit ce qu'ils sont, on dit dans un régime, il y a du tout. C'est comme dans un village. Il y a les technocrates comme le premier ministre. Il y en a qui savent écrire, il y en a qui ne savent pas écrire, mais il y en a qui peuvent prendre des décisions. Là où certains ne peuvent pas aller, et ils peuvent passer dans le noir. Ils peuvent bousiller les portes. Et c'est ce qu'un chef a besoin. Il a besoin de tout le monde. Maintenant, après, il faut emmener les équipes pour qu'elles s'entendent. Et c'est ce que moi, j'attends de vous ici à Yen. C'est l'entente. Population de Yen, le 30 août 2023, les militaires gabonais rassemblés au sein du CDRI ont fait le choix courageux de mettre fin au régime que vous connaissez et que le maire venait de décrire. Comment étaient ces régimes? Je ne reviens pas sur ces mots que disait le maire. Oui, il disait vrai. À la tête du pays depuis cette date, j'attends écrire une nouvelle page de notre histoire. Et pour y parvenir, j'ai besoin de l'implication de tous les fils et filles du Gabon. Oui, j'ai besoin du Wellington rassemblé. D'un lien rassemblé, cette ville dont je suis moi-même originaire. Aujourd'hui, c'est moi le leader. Le leader, c'est moi. Le leader de la province. Les champions nationaux, c'est nous, c'est le CDRI. Je suis votre fils guerrier à Kurumba. C'est moi le seul chef. Parce que tout pouvoir vient de Dieu. Et c'est Dieu, comme je le dis, qui a voulu que ça se passe sans effusion de sang. Ça gêne tous ceux qui nous condamnent. Parce que aucun d'eux n'a réalisé un tel éclat. Voyez-moi, voyez-moi, le CDRI entend retourner aux fondamentaux en érigeant les valeurs éducationnelles. Il faut rééduquer nos enfants et cette jeunesse.
les valeurs éducationnelles comme référence, la discipline comme vertu. Comme disait Napoléon, je me plaisais beaucoup au métier des armes à cause de la discipline et de son raisonnement. Il y a un chef et tout le monde s'aligne. Chez nous, quand un général parle, là tout comprend. Mais je veux que ce soit la même chose avec vous. Quand les aînés vous parlent, essayez de comprendre. Quand le premier ministre vous parle, il faut comprendre. Ce n'est que comme ça qu'on avance dans le pouvoir. Ne vous fermez pas les portes en étant arrogant. Ça ne va pas vous élever. Si moi-même j'ai été arrogant dans le passé, pensez-vous que je serai là aujourd'hui? Il faut suivre le train. Pour changer les choses, il faut être dans la chose. Donc soyez disciplinés. Et le patriotisme comme norme, il faut l'inculquer en vous. Soyons tous des patriotes. Dans un Gabon, comme disait Lionel, Gabon d'abord. Et si on est Gabon d'abord, plus rien d'autre ne peut nous faire peur. Surtout quand on vient d'acquérir le trône pour sa liberté. Tous ensemble, nous, quel bien ne peut plus nous élever. Même moi, en faisant le Jean-Claude, les militaires travaillent toujours sur plusieurs volets dans les états-majors. Mots d'action. A, B. Les avantages, les inconvénients, les sanctions qui vont avec. Vous pensez que ça ne fait peur? En le faisant, on savait qu'il y avait des gens qui ne seraient pas d'accord, qui vont nous sanctionner. Mais au moins, on est libre. Nous sommes libres. Et ce qui s'est fait est salutaire pour notre peuple. Et c'est comme disait Baobab ce jour, quand l'esclave se détache de ses chaînes, il devient un homme. Même si vous le sanctionnez, il n'a plus peur de la sanction. Il avance dans la liberté. Et cette liberté, ça bouillonne. Parce que la liberté, c'est un peu comme la démocratie en 90, on ne peut pas l'arrêter. Donc aujourd'hui, vous êtes libre, soyez fiers de vos libertés. Et travaillons dans cette liberté. N'ayez plus peur. Nous voulons, dans cette liberté, que les jeunes nous aient. Et que tout le pays apprenne de nouveau à rêver. Que tous ces jeunes apprennent à rêver. L'autre a dit, I have a dream. Vous aussi ayez des rêves et réalisez vos rêves. Pour que le pays avance, pour que le pays se développe. Ne dormez pas sur l'ascension. Faites vivre vos rêves. Que les hommes et les femmes redeviennent fiers. Vous avez retrouvé vos dignités. Soyez fiers quand vous marchez. Nous sommes là pour vous. Que l'unité nationale soit renforcée. C'est dans ces moments qu'on a besoin de l'unité nationale, qu'on a besoin de se souder. Et pour montrer aux yeux du monde que oui, nous gardons effort. Pour qu'on puisse tous avancer. Que tous les fils et filles de ce pays travaillent main dans la main. Et que les temps heureux rêvés par nos ancêtres arrivent enfin chez nous. Pour y parvenir, cessons nos querelles. Et bâtissons ensemble. Enfants du Bolinden, arrêtons les divisions. Arrêtons les tendances.
qui vous ont divisé. Avant-hier, c'était la tendance Nguema Richard contre la tendance Bon Jean Rondo. Il faut que ça finisse. Hier, c'était la tendance Ogoné Sono contre la tendance Eboué. On n'a plus besoin de ça. Ou encore, Abidjan, la tendance Ondo et Togo contre la tendance René Demzo. C'est fini. Ce sont vos enfants qui sont là. Vous n'avez plus besoin de vous battre. Il n'y a plus de politique comme a dit le maire. Nous, on ne fait pas la politique. On fait des actes. Ceux qui ont créé un parti politique parce qu'ils espèrent avoir la subvention, et il n'y aura pas de subvention. Je n'ai rien à donner au parti politique. Mais j'ai quelque chose à donner aux jeunes. J'ai quelque chose à vous construire les écoles, à vous bâtir un avenir meilleur, à faire des routes. Je n'ai rien à mettre dans la politique. Donc, de ceux qui veulent créer les partis, ils arrêtent. Le seul parti, c'est l'unité nationale et c'est les militaires, c'est le CDRI. La tendance, cela n'a rien profité à la province. Donc, à bas les égaux, à bas les plis derrière les biens politiques, à bas les divisions au sein de la province, je ne vous demande une chose, c'est d'être derrière moi. Car nous sommes tous, et j'ai dit nous sommes tous, les descendants de Nguema Kyoké Florentin ici présents. Nous sommes les descendants de Simon Oyonaba, de Bernard Obiang. Nous sommes les descendants de Luc Bengossi, de Jérôme Zendong, de Adrien Nguema Ondo, de Jean-Baptiste Ngomo Obiang, de Pierre Claver Zeng et bien d'autres illustres mémoires que je n'ai pas citées. Des modèles, des résiliences face à la difficulté, des personnes à la fraternité établie, de là où ils sont, vivants ou morts, ils ne sont pas heureux de constater nos intrigues ou de passer, ils se demandent où est passé notre Moisan, où est passé notre Obabangom. C'est les choses que vous avez perdues. L'enfant, c'est l'enfant, il est uni. Et même Omar me disait, quand les enfants sont avec vous, vous êtes forts. De grâce, chers frères et sœurs, rappelons-nous ce qui nous fait et qui nous avait rendu forts. C'est ce que je demande. Je me rappelle en 2005, avec feu André Baobab, regardez les élections de 2005. Et je me souviens, quand André Baobab venait dire à moi, au Moudiba, vous n'avez rien à craindre. Je vous amène le volet. Je vous amène tous les fonds du Gabon. Et que vous allez gagner. Et Boban a fait, il a su rassembler en 2005 tous les fonds derrière Omar. Regardez, c'est la seule élection en 2005 où il n'y a pas un fonds candidat contre Omar. Parce qu'il savait rassembler.
dessus les querelles. C'était un fédérateur, mes assembleurs. Et c'est ce que j'attends de tous mes frères ici au gouvernement. Soyez des rassembleurs pour cette population qui a confiance en vous. Ne vous battez plus entre vous. Faites en sorte que la province devienne forte et ensemble nous allons gagner. En tant que première autorité du pays et de la province, je ferai ma partition pour l'unité nationale, l'unité provinciale. J'attends donc de vous un esprit fédérateur et des propositions de modèle de développement durable pour le Wellington qui s'inscrivent dans la vision du CDR. À ce sujet, il convient de définir ensemble les différentes écoles et facultés que devrait accueillir l'Université de l'OIM. D'autant plus que vous avez un bon nombre de savants ici. Oui, vous avez bien entendu, l'Université de l'OIM verra bien le jour dans un avenir raisonnable. Et je vous ai dit, ici c'est... Moi, je le ferai. Nous allons ouvrir la ligne Libreville-OIM avec Afrijet. Je pense que vous le méritez. Laissez-moi un délai de 2-3 mois à Afrijet et Grèce. Nous sommes des gens qui travaillent sur vous. Fils et filles du Wellington, ma visite dans le Grand Nord est également soutenue par le lancement des travaux de la route. Et je peux vous dire, je les ai déjà payés. La route Mélioké et Bébéi en Guinée équatoriale sera faite. Demain, je lance les travaux. OIM, Mongomo, en Guinée équatoriale, c'est réveil. La route Zombone, Wulayak, elle sera faite. Et c'est déjà payé. Quand je lance les travaux, ce n'est pas des promesses que j'ai payées. Ce serait réalisé. Et ensemble, nous allons lancer les travaux avec mon grand frère ici, Ondosa. Mais les routes aujourd'hui, on va faire approcher les plans. Pour qu'elles puissent être entretenues, il faut mettre des triages. Et donc, je les réalise avec des triages. À cette TPI au passage, 500 francs, 1000 francs à chaque passage. C'est pour l'entretien de votre route. Pour qu'on ne vienne plus pleurer devant le gouvernement en disant la route est terminée. Donc, ça aussi, il faut sensibiliser, il faut préparer l'opinion que quand la route serait faite, il y aurait un péage et qu'il faut payer quand on traverse d'une commune à une autre. Ce projet routier transfrontalier qui seront réalisés avec les péages sont des leviers essentiels de notre intégration sous-régionale et des vecteurs pour la libre circulation des personnes et des biens. Et entre nos États. À ces grands chantiers s'ajoutent les travaux de la voirie d'OIM que nous avons déjà payés à 5 milliards. Le DGV le sait. Donc, si les voiries ne sont pas faites, j'ai dit c'est déjà payé. Et le DGV le sait. On a délaissé 7 milliards pour les voiries d'OIM. Notre belle cité Carrefour. Qui doit retrouver son lustre d'attente. C'est pourquoi, pour donner plus d'envie à l'OIM et offrir à nos mamans et sœurs une surface de travail plus avenante, nous procédons également au lancement des travaux d'extension de la rénovation du marché de Mouéman. Madame la responsable des femmes, votre marché serait bien fait. Et quand je dis c'est fait,
qu'on a déjà payé d'avance. Les travaux doivent commencer. À l'instar de même, ces travaux continueront dans d'autres départements, afin que la province frontalière du Grand Nord soit l'image de ce Gabon nouveau que nous voulons construire. Population de Roumain-Pierre, c'est enfin notre essor vers la félicité. Honneur et fidélité à la patrie, je vous remercie. Akiba Arouz.